Salut, c'est Kalyana et je suis sur la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Allez, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Commencez. L'histoire jusqu'ici. J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Qu'en est-il arrivé? Je suis mort. La mort t'a rejeté. T'abandonnant entre lumière et ténèbres, nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avaient souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Prologue, le nouvel anneau. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre? Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite! C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre! Où es-tu? Il
Talion. Talion. Je te trouverai. Donc, maintenez R2 pour passer en mode furtif. Mais combien de temps? Une araignée par-ci, une araignée par-là. S'il y en a une qui me regarde de travers, je l'écrabouille. Restons discrets. Viens, Talion. Libère-moi. Oui, j'arrive, j'arrive. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ces orques se préparent à la guerre. Je vais le massacrer. Voilà ce que je vais faire. Ce suspens. Talion. C'était quoi ça? J'ai rien entendu. Allez, marche pas trop vite. Tu viens de loin. Massacré ? Par quoi ? Cet endroit me flanque la frousse. Le mec, il a rien vu. Il était juste à côté de lui. Voilà. Il y a quelque chose, hein, non? Là, il n'y a rien. Oula! Oui, j'arrive, deux secondes! Il y a un gros, là. Autant de toi! Mais retourne-toi. Allez. Voilà. Tu vois quand tu veux. Voilà. Il y en a un en face et je peux passer par là-bas. Voilà. Faut aller là-bas. Si je saute là, est-ce qu'ils vont me voir? Quelque chose vient de bouger. J'arrive à faire mon propre grog en pressant des rats dans un pot et en y ajoutant de la neige. Sinon, je donne juste de l'eau sale aux rats. Trouvez-le, bande de flammes ! Quelqu'un qui rôde dans le coin ? Bon, on se tire.
Ah, des araignées. Voilà. Je te conseille de le rendre maintenant. Mais ce n'est pas ton épée qui le sera. À quoi serais-tu prêt à renoncer? J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu veux changer l'anneau contre le spectre? Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis avec lui. Et je n'ai pas que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Je dois savoir si Alara est juste. C'était peut-être pas très intelligent de filer l'anneau à une araignée. Mais bon.
On a récupéré Celebrimbor, c'est le plus important. Acte 1, le siège de Minas Ithil. La terre du milieu, l'ombre de la guerre. Nous devons le couvrir avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tout ouvrira la porte noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Ils pourront nous mener au Palantir. Il faut trouver un verre et le faire parler. Alors, obtenez des renseignements. J'ai pas eu le temps de lire. Obtenez des renseignements sur le commandant Orc. Maintenez X et dites-vous à part sauter d'un coup. La Chine ne vous affichera aucun dégât. Ça, c'est pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on attend au juste? Alors. Là, mon esprit est faible. Alors, capitaine inconnu, ces capitaines de Sauron mènent le siège. Vous pouvez interroger des vers pour obtenir des renseignements. Appuyez sur X pour obtenir un renseignement sur ce capitaine. Les renseignements sur les capitaines vous révèlent leurs faiblesses, ce qui vous permet de cibler précisément leur vulnérabilité et d'utiliser le pouvoir du spectre pour amplifier leur peur. Ce capitaine est un commandant, il sera toujours entouré par sa bande de soldats. Appuyez sur X pour marquer votre cible. Alors, il devient hébété après les attaques furtives. Ça, c'est bien ça. Ouf! Le capitaine mène les recherches et dans la ville basse. Alors, il n'ira pas plus loin. T'en vas achemper un deuxième. Voilà. Alors. Lui, il a l'air un peu. Peut être tué instantanément par des attaques de bêtes. Ok. Wouah! On va aller voir là-bas. Oups. Petit. Voilà. Oh, pff, le mec il m'a même pas vu. Les autres. Hey, c'est des mortels!
Mais il peut pas mourir s'il est mortel. Alors, maintenir 2, maintenir 1, relâcher pour tirer. Les tirs chargés à la tête sont dévastateurs. Ok. Deux, trois. Trouver la piste du commandant Orc. Les Mandaloriens sont en mauvaise posture, il faut les aider. Le Valentir est un artefact puissant. Si nous le détenions, nous pourrions changer la donne. Utilisez L et R pour vous concentrer sur la piste. Non. Oui. Ah. C'est pas clair leur truc. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ouais. Voilà. Comme ça. Ah. D'accord. On va récupérer des flèches. En courant pour accélérer à sa... cette action consomme de la concentration. Non, c'est pas la peine. Non, c'est... Les flèches. Il est proche. Le monde des spectres révélera sa présence. L1 pour entrer dans le monde spectral. Bah, y a un mec qui est un peu mort là. Voilà. Chercher le capitaine et appuyer sur R3 pour l'identifier. Le voilà. Chaka. Il est là-bas. On va passer par là. Voilà. On l'appelle le Valentir, et c'est pour ça qu'on est là. La ville n'est qu'un obstacle entre lui et nous. Ouvrez la pierre de vision et rapportez-la là. C'est comme ça qu'on continuera la guerre du village des gars. Allez, bougez-vous. Je vais te tuer. Mais c'est qui celle-là? Je suis pas tout seul, il y a la fille.
Merde. Oui, voilà. Commencer l'équipement. Équipement. Triompher des capitaines permet à Celebrimbor de forger de puissantes pièces d'équipement. Vous pouvez gérer votre équipement dans le menu inventaire. Utilisez l'équipement pour augmenter votre force et améliorer vos compétences. Les victoires contre les capitaines plus puissants rapportent de l'équipement de meilleure qualité. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Depuis domination, voilà. Ah ouais, on a tout qui change. Oula. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Mais la cité il tient encore. Nous allons perdre la vie moyenne, Rodeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il vous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Il y a assez de morts comme ça. Suivez Idril. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est joli, ils ont refait la ville et tout. Libre la zone pour sauver le sergent. Oula, ouais, je pousse carrément l'autre. Allez, vas-y. Allez, cassez-vous. Cassez-vous. Ici, c'est chez les humains. Casse-toi, casse-toi. Allez. Allez les mecs, bougez-vous le cul, on y va. C'est comme dans la vision d'Arachné. Si les troupes de Sauron prennent le ralentir, toute la terre du milieu connaîtra le même sort. Allez, dégage. Libère la zone pour sauver le sergent. Ah, toi tu dégages. Allez. Eh les mecs, au lieu de rester plantés là. Allez vous battre. Allez, on sauve encore un sergent. Thank you.
Bah oui, mais ils sont tous en armure et courent tous plus vite que moi, alors... Attaque lourde, maintenez carré jusqu'à ce que la lance apparaisse, puis la relâchez pour lancer une puissante attaque circulaire. Ah ouais, ça c'est pratique ça. Ça les fait cramer la lance ou... Ouf. La vie moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le tout marché. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron. Mais en perdant bien des choses à jamais. Oui, c'était la soirée. Voilà la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Ezer Sanon. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses. À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors je vais... Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Un rôdeur de la porte noire. Je voyais tout sort. C'est bien le cas. Si vous venez vous battre pour bien assister le rôdeur, allez voir le capitaine, je ne viens pas pour la cité générale, mais pour le ralentir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le ralentir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent le capitaine des ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'il goûte à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Comment il est entré, Talion ? Points d'aptitude obtenus. Points d'aptitude. Vous avez acquis suffisamment de points d'expérience pour gagner un point d'aptitude. Vous pouvez dépenser vos points d'aptitude pour déverrouiller de nouvelles aptitudes ou améliorer celles dont vous disposez déjà. Hop. Alors, agité elfique. Et on peut pas aller... Ah si. Maintenez X pour... On peut faire que... Il était... Il faut récupérer le ralentir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le ralentir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'en appartenaient jadis. La corruption de sang s'étend au-delà des frontières du Mordor. Ils se moquent de moi, elles me permettent de voir. Sans le ralentir.
Le siège de Midna City. Récupérer le Palantir. Terminer des quêtes pour éviter que le Palantir ne tombe entre les mains de Sauron. Les quêtes principales sont indiquées par l'icône. En outre, le Mordor regorge du capitaine à traquer pour gagner de l'XP et de l'équipement. Vous pouvez repérer les capitaines grâce à leur icône crâne ou les rencontrer au cours de missions d'ennemis jurés. Sélectionnez la mission principale pour en faire votre nouvel objectif. Ah, ouais. Les yeux de Sauron. Les tours de Minas Tirith sont corrompues par l'influence du Seigneur des Ténèbres. Purifiez l'Aïdir, je sais pas si je le prononce bien, et réduisez l'emprise de Sauron sur la cité. Nous lui reprendrons Minas Tirith. Nous changerons le cours de la guerre. On va aller à la tour. Hein. Du Palantir, mais nous pouvons retourner les artefacts de Sauron contre lui. Ces tours peuvent nous permettre de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous. Nous voyons tout ce qui a été perdu et tout ce qui sera perdu si la corruption de Sauron. Alors, les Aïdir vous permettent de localiser des secrets et des souvenirs perdus du Mordor. Inspectez les alentours pour trouver les Galgal. C'est quoi les Galgal? Ah! Ah! Nain! Nain en bas! En haut! Nain! Doucement! Doucement! Ah non, ah là là. Un peu. Ah, R3. Il faut en trouver 3. Ah. Non. Oui. Hop là. Et de deux, ou le troisième. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Ça serait bien. Oui, R3. C'est bâti sur les ruines de mon royaume, mais certains vestiges demeurent. Voici mes gargales que j'ai cachées à Sauron. Là-bas, je te montrerai pourquoi nous devons récupérer mon anneau. Ok. Ah, il faut purifier 3... Aïdir. Hop. C'est où? Par là. Bah j'allais... Le contour spectral incline votre dernière position connue. Alors, lui il est mort. Lui, allez.
Ushak le forgeur d'armes. Terreur des Drakes. Je suis pas sûr qu'on va en trouver. Bah, j'aime mieux le bruit que ça fait. Allez. Orques à trésor. Ces orques détiennent des objets de valeur. Pourchassez-les pour obtenir leur trésor. C'est eux là? Ah merde, je me suis pris un coup. Aïe Allez, barre-toi. Voilà. Ah, lui aussi, il a un truc intéressant. Voilà. Tiens, 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 tiens. Et l'autre, il est mort. Merde. Ouais, l'autre. Tiens, tiens. Allez-y, attaquez-moi, allez-y. Ouais, allez, bande de trouillards, là, allez. Voilà. Ça en récupère. Ça en récupère. Gemmes. Vous pouvez placer des gemmes dans un emplacement d'équipement pour obtenir des bonus. Pour déverrouiller. Voilà. Appuyez. Qu'est-ce que j'ai? Les gemmes vous octroient des bonus spéciaux lorsqu'elles sont équipées dans différents emplacements. Vous pouvez aussi associer trois gemmes de même qualité pour créer une gemme de qualité supérieure. Dégâts accrus de 10% avec cette arme. Bah oui. Voilà. Ah, ça c'est pratique ça. Non. Là. Souvenir d'Arachné. Non. Ici. Non. Ici. Encore. Non plus. Ici.
Ithildine. Alors, c'est ça. Capitaine inconnu. Et qu'est-ce qui reste? Il y a là. On va faire celui-là d'abord. Voilà. Il fait des sauts de fou quand même. Hein, parce que... Ah, lui, il a un truc intéressant. Tiens. Allez. Ils osent pas ou quoi? Regarde, je me promène. Foutis-moi dans des trucs. Bon allez, on va pas y passer la nuit, hein. Ah bah, il est mignon, lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est coincé dans un piège. Ouais. La dernière chance. L'autre, il met des pièges. Moi aussi j'ai des flèches, hein. Oh. Allez. On va bien le piège. Ah, il y en a un autre. Ça fait mal, hein? Tu m'auras pas avec ça, toi. Je suis tranquille. Je suis passé derrière lui en évitant de me prendre le piège. Voilà. Par contre, j'ai plus de flèches et ça, c'est un peu gênant. C'est pas de flèches, hein. Il y a une flèche. Ah,
flèche. Il est où le monde ? Là-bas. Mangé par les mouches de Marley. Aïe. C'est qui lui? Où est-ce qu'il sort, lui? Désolé les gars, vous êtes un peu trop nombreux là. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Alors, il faut en trouver 5. Et 2-1. Ah, non. Par là. Ici, ici, non. Là. 2-2. Et 2-3. Ah. Par là. Par là. Non. Et 4. Il manque le cinquième. Non. En haut. En haut. Non. Par là. Et voilà.
Alors, exécution. Lorsque votre puissance est pleine, visez un ennemi pour l'exécuter. Je peux pas. Non. Bah, tout est verrouillé là. Pas d'autres bêtes. C'est verrouillé. Spectre. Voilà. Comme ça, je pourrais chevaucher des machins. Des grogues. Appel de monture. Chevauchement spectral. Et chevaucheur de... Ah, oh, ça doit être bien, ça. Oh, on va pouvoir voler, ça va être génial. C'est génial. Ce jeu est génial. Attends, par contre... inventaire. Une nouvelle armure. Niveau 6. Oh, elle est pas mal, ça va. Voilà. Par contre, Talion, il est vénère. Hein. Je vais voir un peu. Non, hop. Voilà. Alors... on a fait toutes les tours. Voilà. Les ombres du passé. Découvrez l'ancien entrepôt de Celebrimbor et parcourez les souvenirs de sa lutte contre Sauron. Récompense, aptitude rage elfique. Bon, on va aller là. Voilà. Je peux te montrer comment vous guérirez le Gondor. Donc ça nous permet de défendre le Gondor. Salut. Pardon. Alors si je me rappelle bien, dans le 1, ça se permettait d'appeler des bêtes. Ouais, c'est bien ce que je veux pas. Nouveaux ennemis, les Karagors. Les Karagors sont de féroces prédateurs qui foncent sur leur proie pour le déchiqueter. Leur puissante mâchoire les protège des attaques frontales. Utilisez votre arc pour les abattre à distance ou frappez-les au flanc en esquivant leurs attaques. Infligez des dégâts à un Karagor pour le briser. Ah, putain. Ouah. Ouais, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas une deuxième fois. Hein. Gemme de vie. Oula, hop là. C'est là. Là. Voilà. Je reconnais cet endroit. J'ai pas venu ici il y a longtemps. C'est plus calme. Et une jolie statue. Les ombres du passé. Découvrez l'ancien entrepôt de Celebrimbor et parcourez les souvenirs de sa lutte contre Sauron. Hop.